pas de ravitaillement par voie maritime avant 2021. L'annonce faite à l'approche des fêtes de fin d'année jette des doutes quant à une éventuelle pénurie alimentaire sur le territoire. Nous avons décidé de mener l'enquête tout d'abord au niveau des commerces. Seuls quelques produits manquent dans certains rayons, mais il n'est pas question pour les commerçants de parler de pénurie. La plupart des géants restent confiants pour l'avenir. Nous avons remarqué une rupture de stock au niveau des cuisses de poulet et de l'huile alimentaire depuis la semaine dernière. Les gens sont surpris, mais ils trouvent rapidement des alternatives avec le poulet entier, par exemple, en substitut des cuisses de poulet. Même climat de sérénité chez les restaurateurs. Il est 10h à Vailala et toute l'équipe de ce restaurant du nord de l'île prépare une commande pour plusieurs dizaines de personnes. À l'image de ce restaurant du nord, tous les restaurateurs se préparent à répondre à la forte demande de cette fin d'année. La recette, anticipation et surtout valorisation des ressources locales. Nous ne rencontrons aucun problème en cette période de fin d'année. À chaque période de fête, nous anticipons et nous nous approvisionnons à l'avance, surtout pour tout ce qui concerne les quelques produits importés qui nous sont nécessaires. De toute façon, si pénurie il y avait, nous ne serions pas affectés, car nous privilégions les mets locaux, palourdes et autres fruits de mer, poissons, fruits locaux pour nos jus, etc. C'est le nombre de couverts fixés par ce restaurant pour le réveillon de Noël, signe d'une situation alimentaire globalement maîtrisée. Cette situation peut être également l'occasion de s'inspirer de la recette des restaurateurs, à savoir manger local.